On parle souvent de la fortune des Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates et autres femmes et hommes les plus riches du monde. Mais on ne parle jamais des enfants les plus riches. Pourtant, certains jeunes ont réussi à accumuler un beau petit pactole sans attendre d'être majeurs. Si quelques-uns n'ont pour seul mérite que d'être tombés dans la bonne famille, d'autres sont partis de rien pour construire leur empire. Voici un top 11 des jeunes les plus riches ayant fait fortune avant leurs 18 ans. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti. Le prince George de Cambridge, 3 milliards de dollars. Bon, on arrête de jouer avec des billets de Monopoly et on parle maintenant de milliards. Âgé de seulement 7 ans, le prince George Alexander Louis Windsor est l'enfant le plus riche du monde. Le troisième héritier au trône de Grande-Bretagne, fils du prince William et de Kate Middleton, est déjà depuis ses 4 ans, multimillionnaire. Il détient aujourd'hui un capital de 3 milliards de dollars. Tranquillement à base de tranquillade, comme disait Fatal Bazooka. Les jumeaux, Vivienne et Knox, 67 millions de dollars. Vivienne et Knox, ça ne vous dit rien? Brad Pitt et Angelina Jolie non plus? Les premiers sont tout simplement les enfants des seconds. Avec les parents les plus stylés de tout Hollywood, ces jumeaux de 12 ans sont à la tête d'une fortune complètement folle de 67 millions de dollars. On achète quoi à 8 ans avec tout ça? Danilyn Birkhead, 59 millions de dollars. Fille de l'acteur Larry Birkhead et de la mannequin Anna Nicole Smith, Danilyn est à la tête d'une fortune colossale. Malheureusement, c'est à cause du décès de sa mère que la jeune fille héritera de ce capital de 59 millions de dollars plus tôt que prévu. Elle a aussi participé à plusieurs campagnes de mode pour Guess Girls et réalisé différentes apparitions dans des films et séries télévisées. Nick Dalloisio, 30 millions de dollars. Nick Dalloisio est un entrepreneur australien. Passionné d'informatique, il crée l'application mobile Sumly alors qu'il n'a que 15 ans. C'est une véritable prouesse, d'autant plus que Nick est autodidacte. Alors qu'il a 17 ans, Yahoo l'approche et lui rachète Sumly pour 30 millions de dollars. Il poursuit, ensuite, ses études à Oxford et devient chef de produit avec l'équipe dédiée au mobile au sein de Yahoo à Londres. Un début de carrière plutôt correct. Valentina Paloma Pino, 12 millions de dollars. À seulement 13 ans, Valentina Paloma Pino est à la tête d'un patrimoine de 12 millions de dollars. La jeune américaine est la fille de l'actrice et productrice, Salma Hayek, et de l'homme d'affaires français, François-Henri Pino, qui est à la tête d'une fortune de 43,3 milliards de dollars. Mais sur quoi repose le patrimoine de 12 millions de dollars de Valentina? C'est tout simplement la valeur d'une demeure de la famille Pino qui a été mise à son nom. Difficile d'acheter des skins Fortnite avec cet argent donc. Abigail Breslin, 12 millions de dollars. À 24 ans, Abigail Breslin est à la tête d'une fortune estimée à 12 millions de dollars. Cette actrice américaine fait sa première apparition dans une publicité en 1999 alors qu'elle n'a que 3 ans. Mais c'est bien en 2010, à l'énorme succès au cinéma du film Little Miss Sunshine, qu'elle se fait connaître du grand public. S'en suivront une trentaine de films et plusieurs apparitions dans des séries télévisées. De quoi mettre du beurre dans les épinards. De la truffe et du caviar aussi si besoin. Millie Bobby Brown, 10 millions de dollars. Millie Bobby Brown est une actrice anglaise, plus connue sous le nom d'Eleven pour les fans de la série Stranger Things. La comédienne a aussi fait des apparitions dans d'autres séries télévisées et a travaillé avec des marques de prestige telles que Moncler, Converse, Samsung et Calvin Klein. Elle cumule déjà un pécule de 10 millions de dollars à seulement 17 ans. Charli D'Amelio, 8 millions de dollars. À seulement 16 ans, Charli D'Amelio a gagné pas moins de 8 millions de dollars l'année dernière. Et elle le doit à ses abonnés. La jeune américaine est la star incontournable pour tout bon TikToker qui se respecte. Elle cumule plus de 100 millions d'abonnés sur TikTok. On a d'ailleurs autant d'abonnés qu'elle sur notre compte @car.app, à quelques dizaines de millions d'abonnés près.
Jaden Smith, 8 millions de dollars. Jaden Smith est le fils de Jada Pinkett Smith et du célèbre acteur Will Smith. À 22 ans, son compte en banque est déjà bien rempli puisque sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. Il fait ses premiers passages à la télévision en 2003, alors qu'il n'a que 5 ans. En 2006, il joue dans le film À la recherche du bonheur, aux côtés de son père. Chanteur, rappeur, auteur-compositeur, acteur, danseur, entrepreneur, le jeune Américain est plein d'ambition. Elle Fanning, 5 millions de dollars. Actrice américaine de 22 ans, elle a tenu ses premiers rôles au cinéma au début des années 2000 alors qu'elle n'a que 3 ans. Elle continue à faire de nombreuses apparitions au cinéma puisqu'elle en a aujourd'hui tourné plus d'une trentaine dont Super 8, Sommière ou Maléfique. À ses 17 ans, la fortune d'elle est estimée à 5 millions de dollars. Rico Rodriguez, 4 millions de dollars. Vous connaissez peut-être déjà Rico Rodriguez. Ce jeune Américain de 22 ans a accumulé les billets verts grâce au cinéma. À partir de 2006, il commence à décrocher des petits rôles secondaires dans des films et des séries télévisées. Mais c'est en 2009, lorsqu'il intègre le casting de la série Modern Family, qu'il rencontre un énorme succès et commence à toucher le gros lot. Tout comme les autres acteurs de la série, il sera récompensé 2 fois du Screen Actor Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée comique. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 4 millions de dollars.